Bonjour et bienvenue, c'est Papy Dadoun pour une nouvelle vidéo de Hearthstone. Et cette fois-ci, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, je vais vous présenter le Chaman Tentacule. Alors, le Chaman Tentacule, c'est un deck qui est un petit peu spécial, mais qui est très très fun. En fait, on va jouer plein de tentacules. Donc, les tentacules, c'est des 1-1 pour 1 qui lancent un sort aléatoire qui coûte 1. Sauf que, en fait, ça s'améliore. Le premier, donc, va coûter 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. jusqu'à 10. Et une fois qu'on atteint le 10 de mana, ben, en fait, on va jeter que des sorts à 10 de mana. Et l'intérêt, c'est que en fait, à 10 de mana, donc il y a 3 sorts, mais en fait, il y en a un qui est légendaire, donc il ne pop pas. Donc il n'y a que 2 sorts. Il y a un sort qui est le sort de démoniste qui inflige 3 en AE à tous les serviteurs adverses. Celui-là, on ne le veut pas trop, mais bon, c'est toujours sympa. Et le deuxième sort qu'on veut, par contre, qui coûte 10, c'est le sort de mage qui inflige 10 dégâts répartis de manière aléatoire sur tous les adversaires, donc tête aussi, et invoque un serviteur qui coûte 10 cristal. Donc c'est ce sort qu'on veut répéter et répéter. Et là, vous allez me dire, mais on n'a que deux tentacules. Oui, c'est normal, mais on va en générer énormément dans ce deck. Donc on a les deux tentacules de base. On va avoir aussi, du coup, l'œil du chaos qui va générer deux tentacules. On a la gardienne contaminée qui va en générer deux autres de plus. Ensuite, on va avoir Gepetto qui va nous permettre de récupérer toutes les tentacules qu'on a joués avant, puisque les seuls trucs à un attaque ou un point de vie qu'on va avoir dans le deck, c'est quasiment que des tentacules. On va avoir une autre carte aussi à un point de vie, mais qui est très très fort. Et du coup, on va. Et puis on a Yogg-Saron aussi, qui son troisième effet, c'est de remplir notre main de tentacules. Et ça, donc ça va nous générer plein de tentacules, suffisamment déjà pour arriver jusqu'au 10 de mana. Et on va avoir une autre façon de générer, enfin d'arriver à ces 10 de mana très vite. C'est la nouvelle légendaire Carnibloc qui fait que notre prochain cri de guerre se déclenche 3 fois. On essaie de le faire directement sur un tentacule, ce qui fait que ça va jouer 3 mana et ça va augmenter de 3 mana directement. Et en plus, je vous ai dit, c'est l'autre truc à un point de vie, la miniaturisation. Donc il va y avoir pour un mana une 1-1 qui va faire cet effet-là. Donc on va monter quand même grâce à Carnibloc assez vite dans les 10 de mana. Et en plus, on a Zola. Zola, en fait, on va essayer de le faire sur le mini Carnibloc. Donc on fait mini Carnibloc Zola. Donc comme ça va se déclencher 3 fois, ça va faire 3 mini Carnibloc. Et du coup, on va faire mini Carnibloc Tentacule, mini Carnibloc Tentacule, mini Carnibloc Tentacule. Et hop, c'est-à-dire on l'a fait 9 fois quoi déjà. Donc ça, c'est très intéressant. Tout le reste autour, ça va être du contrôle et de la pioche. Donc en termes de pioche, on va avoir un savoir. J'en ai laissé un quand même, même si on va avoir la main très très pleine. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un ampli audio pour passer. C'est pas pour avoir 11 de mana, c'est pour avoir 11 places en main parce qu'on en a vraiment besoin. Les deux totems, on va avoir aussi le nouveau lieu qui est ici, la forêt enchantée, qui va nous permettre de piocher un serviteur avec cri de guerre. Donc ça va être des générations de pioche. En plus, quand on va jouer les tentacules, on va avoir potentiellement des sorts qui vont piocher. Donc le deck va se vider quand même assez vite. On a potentiellement aussi Gol'Ganeth qui va nous permettre, l'un de ces trois pouvoirs, de piocher trois cartes avec surcharge. Et après, tout le reste, ça va être beaucoup de gestion. On va avoir donc les réflexes pour aller nous chercher des sorts. On va avoir le livre animé qui va nous générer des taunts. On va avoir toutes les AOE, donc les AOE, les répliques. On va avoir le nouveau volcan aussi, qui est très très fort. Je n'ai pas mis de tempête de foudre, pour l'instant il n'y en a pas besoin. Celle-ci aussi, c'est une petite AOE qui est suffisante, notamment souvent pour les chasseurs, puisqu'il va envoyer beaucoup de 4-1 ou les petits 1-1 chiens. Bah, du coup, comme ça inflige 1 en tourbillon, bah, ça suffit pour tuer pas mal de boards du chasseur aussi. Donc, on a quand même pas mal de choses pour se protéger. Alors, j'ai vu des decklists qui jouaient la 2-2 pour 1, le petit serpent là. Je vais vous le montrer. Voilà, le marchand de miracles. Moi, je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce que bah, le sort à 0 pour échanger, bon, il sert pas vraiment de fou. Et c'est une carte qu'on veut. En fait, souvent, je veux des cartes pour s'en débarrasser. Et ça, c'est pas très intéressant. C'est juste intéressant pour la réplique. Si on sait qu'on va faire ça, ça va nous faire que la réplique coûte 2. Mais moi, j'ai préféré remplacer justement par un ampli audio pour avoir une place de plus dans notre main. Et j'ai mis aussi un petit cadeau de Thrall. Alors,
En fait, il va se passer pas mal de choses. Des fois, en milieu de partie, vous allez avoir un gros board parce que vos sorts de tentacules vont générer pas mal de petites créatures. Et ça va jamais tuer. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de mettre ce sort-là, parce qu'il peut donner potentiellement Furie sanguinaire pour surprendre l'adversaire en disant ouais, mais t'inquiète, c'est que des petites tentacules 1-1 où il y a une petite bête de 2, j'installe mon board tranquille, et puis là, hop, Furie sanguinaire et ça dégage. Et aussi, potentiellement, c'est un sort aussi qui est assez efficace. Pourquoi j'ai pas mis directement Furie sanguinaire aussi? C'est parce que, bon, ben, le fait d'avoir un éclair pour se débarrasser vite fait de cette carte dans sa main et générer une petite créature au début, c'est intéressant. Ou le maléfice pour générer une créature qui est vraiment chiante, genre un paladin avec bouclier divin qui est une grosse créa, si on n'a pas le volcan qui génère plein de petites itérations de dégâts, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette carte aussi. J'espère que cette présentation vous a plu. On va tout de suite voir son efficacité en ladder et vous allez voir que c'est assez rigolo à jouer. Alors c'est parti. Chasseur de démons. Ok, chasseur de démons, ça peut faire très très mal. Qu'est-ce qu'on garde en main de départ? Donc ça dépend si on a un match-up agressif ou si on a un match-up plutôt contrôle. Dans les match-up agressifs, nos AE vont être très très bien comme ici. Sinon, on va garder tout ce qui va nous générer des tentacules. Je vais garder juste le T4. Ok, on a un livre animé en plus, c'est pas mal, ça va nous défendre pour le début de partie. Et on a un ampli audio. Ça, on va pouvoir direct nous mettre 11 cartes en main. J'aime quand il se passe rien. On va jouer ça tranquillement. Ouf. On va arrêter de lui donner de l'attaque gratuite. Là, il va beaucoup piocher. Alors le deck chasseur de démons, je l'ai pas trop affronté, je le connais pas trop. Je sais juste que il a Mactéridon souvent un carton rouge qui va faire des AOE en boucle. Et un côté un petit peu agressif sur le début de partie. On va commencer. Hein. Non, du coup, c'est quoi cette arme? Une fois que votre adversaire inflige 3 points de dégâts, ok. Allez, une petite hévis dans ta tête. Et là, il est où le cadeau? Parce que si j'ai le cadeau de Thrall et qu'il gère pas ça, ça va faire mal.
Là, j'ai des talents hein, sur le cadeau de Thrall, hein, si je gère pas les troupes. Oh. Du coup, il va me tuer mes tentacules. C'est pas fou ce que j'ai, hein. Ah, ma main, elle est un peu nulle. On va jouer ça, hein. Prochain tour, j'ai joué Gepetto, tant pis, même si j'ai eu que 3 tentacules. Parce qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Ok. Donc là, il a eu un démon 1-1. Ah, elle est là. On va piocher d'abord. Zola. Je me demande. Pas faire ça. Vous ne pouvez pas m'échapper. Ouais, cette sortie-là, elle est très mollassonne. Hein. En plus, enfin, j'ai tous les trucs. Ah, voilà, Mactéridon qui est arrivé. Pioche 2. Ça fait plaisir de piocher les deux là, ça va me permettre d'avancer dans mon deck. Normalement on souffre pas de pioche, hein. Enfin on a tout le temps la même plaine de toute façon. Mais c'est surtout quoi jouer. Autant vous dire que Mactéridon il va être souvent en sommeil. Donc c'est comme si je prenais 3 par tour tout le temps. Et tout mon board aussi. Il a joué 5 types de serviteurs. Eh bien. Mais ça reste une 1-1. Okay. On va avancer dans notre plan de jeu, hein. Ah, intéressant. Petit taureau comme ça qui fait plaisir. Ok. Bon, ils vont tous mourir du coup. Donc c'est nul.
Oh là là, c'est trop nul, ça m'a rempli ma main en fait. Si je fais ça, j'overdraw. Bon, lui met des dégâts tête, hein. Donc là, il se réveille, mais il va se remettre en sommeil. Est-ce qu'il a rué de base? Non, il a pas rué. On m'invoque une copie qui se met en sommeil pendant un tour. Ah oui, donc c'est une copie, donc la 12-12, elle reste. Ok. Truc, c'est que pour l'instant, j'ai l'étal hein, sur le board. Même s'il inflige 3 sur tout le board, il va falloir qu'il fasse des dégâts supplémentaires. Ok. Donc là, il me reste ma 6-2, du coup. Et c'est l'étal, puisque là, j'ai 6 et 5. Ah, bon. Du coup, non. Ouais, j'ai péto. Il a quoi? C'est un flige 20 ou il y a le là-haut? Oh! 5 d'armure, ça c'est pas mal. Ça fait piocher une carte. On va soigner 6. Donc il se réveille. Je suis à 24. Est-ce qu'il a le deuxième carton rouge pour le mettre en sommeil? Du coup, il y a quand même lui qui a survie et lui a un point de vie. Ça, on s'en fout. Pas évident ces tours avec ce chaman. Enfin, parce que bon, le deck il est pas sorti. J'ai tout comme il faut trop. Et ça, gérer, c'est un peu chiant. Carton rouge, ok. Moi je tue Edonis ici. Pas d'autographe. On va bien trouver un sort de dégâts. Ça, non. Ça peut être que sur un serviteur. Ça le fait.
Et du coup, ça c'est qu'un serviteur. C'est quoi qu'il faut? C'est pour chaque sort de nature. Mais ça donne 3 d'attaque au héros. C'est bien ça. Donc du coup, j'ai l'étal. Et voilà! On y arrivait quand même, c'était long, c'était fastidieux, mais on y arrivait. Allez, suivant. Oh, encore un chasseur de démons. C'est la nouvelle mode ou quoi? Garder ça. Ah, deux totems, intéressant. Une seule dose réglera tous vos problèmes. C'est un deck Mactéridon, ça? Ou c'est un deck aggro? Piochez une carte avec marginal et la placez à la plus gauche de votre main. Ok. J'ai pas de carte avec marginal. Donc c'est une belle carte morte, comme on dit. On va avancer dans notre deck hein, tranquillement. Hein. Ce jouet est fait. Donc du coup, est-ce que ça coûte 3? Non, ça va coûter 5 quand même. Ça, on s'en fout. Petite Nova, c'est sympathique. Bah, du coup, on va jouer ça. Ouf, c'est fort ça. C'est fort.
Mais c'est géré. Encore. C'est pas un démon, donc ça peut pas être généré. C'est vraiment ses cartes de base. Oula. Un sort à 4. Détruit un serviteur adverse. Avec des stats améliorées. Ah ben oui, le plus de du renvoi. Ok. Je suis à un mana du yog. Bon, ça va, c'est une 1-1. Sinon, il aurait pu juste faire pouvoir héroïque. Hein. Et du coup, c'est pas un démon non plus, si c'est un démon. Mactéridron, ok. On va chercher des sorts. Hein. Ou alors je peux faire ça. Ouais, mais ça fait que 6 dégâts, ça. Piocher une carte, prochain tour, ouais. Non, je vais faire ça. Le volcan. Ça me permet de me heal beaucoup, mais là je vais prendre une sacrée tatane hein. Ce que je vais le faire au prochain tour, ça seulement. C'est nul. Donc là, je vais prendre 18 minimum, 21. Si trois droites font une gauche. Levez les yeux, un verre vous attend. Heureusement, on va récupérer tous les points de vie. Quasiment. Ça, c'est plus intéressant même. Ah, c'est pas le taunt. En vrai, du coup, j'aurais dû le faire avant, mais bon, tant pis, c'est pas grave. On va en profiter. 6, 9, 10. Donc on va pouvoir jouer ça. Ah, c'est quoi son truc? Ah oui, c'est le cri de guerre aussi. C'est le râle d'agonie aussi qui inflige 3.
Et hop, on est revenu au maximum, quasiment. Ah mais ça veut dire si je le joue, c'est le Gepetto, il va me le rendre. Et j'ai pas envie qu'il me rende ça. Ah bah parfait, un peu de board. Ah oui, c'est ça, ça peut qui fait que ça peut pas coûter moins de 2. OK. Si trois droites font une gauche. Ah, il a plus de cartes en main. Ah, il va voir ça. C'est pas fini, donc c'est pas fini. On va jouer Gepetto. C'est le moment. Alors on va le sacrifier, hein, ça. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ah, j'aurais dû sacrifier mes bêtes plus tôt. Ça. Ça. Et hop, et ça se suicide. Quoi qui m'a mis 2 de surcharge? Ah oui, c'est le spell A7. Et voilà, facile ce jeu. Uther, donc ça c'est un truc plutôt agressif. En vrai, on va quand même garder la pioche. Parce qu'en en fait, en piochant, on va arriver à avoir notre solution anti-aggro. 1, 2, 3, bon. On prend. Oui, bon, mais nul. C'est vrai que maintenant, il y a tous les cadeaux qui coûtent 1 aussi maintenant. Donc, c'est compliqué. Alors, son arme, elle coûte 4, je crois. Donc ça, ça va piocher une carte de plus. Lui aussi il va piocher du coup. Oh, un carniflore à 5. Enfin, un carnibloc. On va quand même le tuer, hein, parce qu'il faut pas qu'il pioche beaucoup trop. La question c'est... Ouais, je vais le faire avec ça. Ouais, le livre, c'est bon. On va prendre une tempête. Hein. Un petit... Avec le nouveau... Enfin, le nouveau... L'ancien nouveau totem dégâts des sorts, la tempête avait piqué. Hein. Donc le fameux l'arme qui booste
son deck, enfin sa main je veux dire. Alors si je joue ça, je vais être complètement overdraw. Faut que je le joue comme ça. Et bien sûr, je ne pioche pas avec mon lieu, sinon je vais overdraw. Et c'est là où j'aurais bien aimé avoir l'ampli. C'est gros. Enfin 4-6 du coup maintenant. Mais... Du coup on va jouer ça et ça. Aïe. Ah. Ok. Ok. Bon j'ai déposé d'une carte, du coup je vais pas me meule, mais bon c'est ma carte qui aurait pu me donner la furie sanguinaire. Comme là il essaie pas trop de gérer mon board, ça aurait pu gagner, mais bon dommage. Mais au moins j'ai récupéré un ampli que je vais pouvoir jouer. C'est beaucoup. Ça m'embête un peu ce qui s'est passé. Est-ce qu'en vrai je m'en fous pas un peu et je continue mon plan de jeu? Donc je vais faire ça. Ça. Et ça. Je prends 9. Si ça lui fait plaisir. Peut même me détruire mon board, c'est pas grave. Accordé à la perfection. C'est beaucoup, hein. Encore du boost, ça va faire beaucoup. C'est là où le 11 fait plaisir. Mais bon, nous aussi, on va avancer, t'inquiète. Ouf. Allez, démerde-toi. Oh, vas-y. Oh. Ok, bah bien joué, hein. Ok, je peux rien faire. Il a un OTK. Fallait un taunt. Tant pis, tant pis. On n'était pas loin. Hein. Chevalier de la mort. Personne n'échappera à ma colère. Mes éléments sont frigorifiés. Ça va, c'est pas trop mal cette main, je pense.
J'ai pas de T1, mais j'ai un T2, un T3, un T4. J'ai Zola aussi. Ouh, ça va peut-être aller vite là. Lui aussi, il va aller vite dans ma tête. Eh bien, ils iraient pas dans un petit volcan. Hein. Réplique aussi, ça marche très bien. Oh, 6 d'armure, c'est bien. Levez-vous et venez servir votre roi. Ma volonté ne m'appartient plus. J'aime bien ça, decklist. Ah, il a oublié d'attaquer. Volcan, c'est fort, mais ça tue pas forcément. Ça tuera jamais en vrai. Ah, je carnibloc. Tant pis, hein, ça va lui faire des PV en plus. Hein. On n'a pas le choix, 8 points de vie, c'est trop. Oh, gros mâche! Il faut que ce soit fort. C'est fort. On va même tuer ça. Et on va gagner un peu d'armure. Là, on va pouvoir faire Carnibloc et Zola. Et ensuite, lancer encore une tentacule. Doucement. Ah, il peut attaquer. Ouf. Bon, après, il a le... Pour pas overdraw... Si, j'ai quand même overdraw. Oh, tant pis. Ah, il en a du point de vie, hein, le DK. Hein.
Il a le combo. Ouais. Ok, c'est pas important. Ah, c'est pas celle que je voulais. Ça, c'est ce que je veux. Bien. Alors lui, il fait quoi? Chaque fois, il vous pioche une bête et il gagne ses caractéristiques. C'est nul. Mais bon. On va voir si on n'a pas mieux. Voilà, maléfice, ça c'est très bien. Hop. Et on va prendre notre maléfice hein, au cas où. J'ai pas de bête dans mon deck. Du coup j'ai assez pas trop de... Je veux ça tranquille. J'ai un autre carni bloc. Donc on va attendre pour le jouer. Du coup, on va tuer des trucs quand même. Est-ce qu'il va falloir de la place au cas où? Ok. Ça tue. Ok. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, du coup, on ne fait rien. Parce que ça, ça va invoquer un truc qui vous colle 6. Si j'aurais pu me heal de 6, en fait. Parce que je sais pas combien il est sur son sort. Bon, à mon avis, il est pas à 22. Hein. Ouais, on gagne au loto. Vous auriez bien besoin d'une petite séture. Ok, il va me voler. Ah. Pas fini, on n'a pas gagné encore. Gepetto. Ça sera pour le prochain tour. Si j'ai pas de la chance. Et j'ai de la chance. Allez. Et ben voilà, on a réussi à jouer nos tentacules dans tour 10. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu avec toute cette partie. On a finalement réussi à faire notre combo, enfin nos sorts à 10 pendant très longtemps sur le DK adverse. Mais vous voyez qu'on a quand même la possibilité de gagner avant. On a quand même beaucoup de gestion, beaucoup de choses à faire avec ce deck. C'est pas si facile à faire parce que on a tendance quand même à avoir une main bien bien pleine et c'est compliqué des fois d'avoir de pouvoir jouer ce qu'on veut. Mais bon voilà, on a réussi cette principale et puis j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je ferai d'autres decks. Il y a certains decks qui me plaisent bien,
qui feront partie sûrement de mes prochaines vidéos. Genre, il y a un druide plutôt sympathique, le paladin qu'on a vu aussi. Il a l'air cool. En tout cas, plein de decks qui ont l'air intéressants dans ce début de méta. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Ciao.